Petit loup et le Noël maxi-fou de Jean-Loup Crépeau et Pierre Fouillé. C'est un loup, un petit loup. Il est gentil comme tout et surtout, il aime aider le Père Noël, qui ce soir-là, justement, l'appelle. Veux-tu savoir pourquoi? Le Père Noël dit « Derrière chez moi, il y a un bois, et dans ce bois, il y a un trou. Et dans ce trou profond, profond, petit loup, mon traîneau est tombé. Comment le remplacer ?» Bien au chaud dans son lit, petit loup réfléchit, et ses peluches aussi. L'ours et le lapin murmurent à l'oreille de petit loup. Alors petit loup bondit hors du lit, il emporte ses peluches avec lui. Où ça? Les voici tous les trois, la queue leu-leu. Il pousse un chariot devant eux. Petit loup reconnaît. Ce chariot de supermarché est une idée des peluches. Le Père Noël s'assied dedans et s'exclame. Ce n'est pas grand. Le renne ricane. Tu vas te coincer le derrière, mon gros pépère. Ça fait rire les peluches et petit loup, mais le Père Noël n'apprécie pas du tout. Il demande au renne de le pousser au lieu de critiquer. Le renne répond que son métier, c'est de tirer un traîneau. Il ronchonne. « Je ne suis pas un pousseur de chariot !» Le Père Noël dit « Derrière chez moi, il y a un bois. Et dans ce bois, il y a un trou. Et dans ce trou profond, profond, petit loup, il y a mon traîneau. Et dans mon traîneau se trouve ma hotte. Comment la remplacer ?» Petit loup dit « Je te prête mon cartable. Je n'ai pas enlevé ma trousse ni mes affaires de CP. Tu pourras les distribuer aux enfants qui n'ont rien. C'est une idée de lapin. » Noël remercie Petit Loup. Il endosse le cartable et il avoue « Je suis un peu à l'étroit, mais ça ira. » Le renne plaisante « Pépère Nono, reconnais-le, tu es devenu gros !» Le Père Noël le sermonne. « Au lieu de te moquer, le renne, viens donc me pousser. » Le renne tonne « Je ne suis pas un pousseur de chariot !» « Je peux pousser, moi, dit l'ours. J'ai toujours rêvé d'aller vers l'étoile polaire, les constellations du Sagittaire et de la Grande Ourse. » Mais le chariot bouge à peine. « Sais-tu qui fait rire le renne ?» Ah, l'ours pousse le chariot. Ah, le lapin pousse l'ours. Ah, le merle pousse le lapin, qui fait trois petites crottes. Soudain, le chariot décolle. Le Père Noël s'écrie « Hurrah, on vole !» Mais sais-tu ce qui ne va pas? « Père Noël, Père Noël !» s'époumonne Petit Loup. « Revenez, revenez, ça ne va pas du tout !» Le renne s'amuse. « C'est bête, le Père Noël est resté en chaussettes. Et... sais-tu le plus affreux ? » Le merle est revenu. Il dit en se bouchant le bec, « Le lapin est excité, il n'arrête pas de crotter. » Petit loup est horrifié. « Ça va noircir le ciel, ils vont se perdre, alors plus de Noël. » « Et toi, le crois-tu ? » Petit loup se réveille. « C'était un cauchemar. » En vrai, il est dans son joli lit, il serre ses peluches contre lui. « Debout, l'ours, debout, le lapin, allons à la fenêtre vérifier si tout va bien. Les cadeaux, c'est demain matin. » Petit loup, rassuré, voit passer le traîneau dans le ciel étoilé. « Tu penses qu'on aura tous un cadeau ?» demande le lapin. Loup répond « Je crois bien. »